Attention, l'enregistrement, on n'a rien à péter ouais, avant de lancer l'enregistrement. Ouais, non, bah c'est trop tard. Qu'est-ce qu'il y a? Non, Ah, du coup, il peut plus. On est sur les vidéos interdites, on a testé un truc, seulement le 21. Bah avec toi, mon juju, en plus. Oui, ça m'avait bien gavé, d'ailleurs. Ouais, c'est clair, mais j'ai réussi, j'ai vengé notre honneur. Ah, bien plus que notre honneur. Ouais, notre fierté, putain. Voilà. Et donc il nous reste Cauchemar, La Chambre et Faiz. Ouais. Ah, je sais pas. Bah, si. Toi tu voudrais faire lequel? Bah écoute, après ça, Cauchemar. Allez, au filing. Cauchemar, je crois que c'est un truc où t'as plein de stremons qui t'arrivent sur la gueule. La Chambre, ça doit être. Tu dois réussir à t'échapper de la Chambre. Et Faiz, je sais plus ce que c'est. Bah du coup, il lance Faiz. Nouveau. Bah oui, hein, de toute façon, t'as pas trop de choix. Regarde, qu'est-ce qu'il y a de marqué? Alors, il y a 3 ans, les Baker étaient une famille tout à fait ordinaire. Ce soir-là, alors que la pluie s'abat sur les vitres de la maison, la famille est attablée, prête à partager un moment paisible et convivial. Ils sont loin de se douter de ce qui les attend. Oh, bah tu vas te taper une bouffe. T'as pas les... Ah, remarque, tu me disais que t'avais pas trop les crocs pour l'instant, je suis désolé. Bon, bah... Tu risques de manger un peu. Voilà. Tu vois, attends, détache le cordon de la manette, ça va te gêner. Hop là! On sent plus léger, hein. Oui, non, ouais. Mais ça devrait aller, mais bon. Ni plus ni moins, quoi. Enfin, le portrait... Ouais. Voilà, la madame, non, pas plus. Non. C'est Mia, je crois. Non, Mia, elle a les cheveux longs. À moins qu'elle s'est fait couper les cheveux. Oui, en même temps, vu la famille de Barge... Ils sont dit, ouais, t'as les cheveux un peu trop longs, toi, viens que je te les coupe, tu sais, au ciseau un peu rouillé. Histoire de te faire toute belle pour ton copain qui arrive, qui vient de se sauver. Enfin, il espère venir te sauver. Voilà, ils nous mettent un petit coup de stress, là, ça met 3 ans à charger. Mais c'est ça, ouais, vas-y, prépare-toi, ma poule. Concentration. On va fêter Thanksgiving autour d'une table. Voilà, c'est la teuf. 5, 4, 3, 2, 1, même pas. Oh, moins enculé. Un, moins 2. Allez, vas-y, fais péter le bousin. Bon, en même temps, si ça charge longtemps, ça veut dire que ça va être bon, logiquement. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Bon, je suis... Bon, 7. Pas peur. Oh, merde. Ah, ça y est. Alors, ah, ça c'est un... Ah. Ah, les infos. Oh, je déteste les infos. Assez assez non, non, vas-y, le. C'est quand même bien foutu. Hein. Mais c'est propre. Ah, il y a quelqu'un qui oublie de fermer la piscine. Hein. What the you? Comme on peut le voir ici, la perturbation se déplace vers le nord-est en perdant de son intensité. Et demain matin, le temps devrait s'améliorer. La tempête a fait beaucoup de dégâts. Oh là. Ils l'ont pas dit. Ah, t'es en VR là? Ouais. Ok. Voilà. Le conseil de sécurité. Les Nations Unies adoptent une motion pour le maintien des travailleurs humanitaires. Rien à foutre. On regarde un peu tout partout. Elle a l'air normale, la famille. Elle est recouverte d'une sorte de nuit, je sais pas quoi. On va lui donner des vêtements propres et un bijou. On la mettra dans la chambre de Lucas. Alors j'observe un petit peu, parce que c'est vrai que. J'ai installé notre invité dans la caravane. Je lui ai dit qu'elle pouvait utiliser la vieille chambre à coucher, mais elle est insiste. Donc, elle est dans la caravane. Attends, comment on fait pour le prendre? On peut pas le prendre? Non, non, bah là, c'est juste des infos. Ok, parce que j'ai vu commander. Si tu veux commander une pizza. Alors ok, donc c'est quoi là? Je vérifie un peu tout. Ben c'est vrai qu'ils ont l'air cool là comme ça. Hein. 26-10, anniversaire de mariage.
Non, franchement, on n'imagine pas qu'ils sont devenus psychopathes. Liste des courses. Œuf 4, tu notes, hein. Ouais, œuf 4, bacon 2, 3 laits et lessive. Ouais, nettoyant pour lunettes, sous-vêtements, Lucas, condensateur, clé USB. Graine de rasage. Ah ben, vu le papa, ouais. Il y a besoin. Ouais, prépare la petite soupe. Je pense... Ah, ça doit être trippant en VR, je t'envie. C'est. Bon, la cuisine est à refaire. Hein. Bon, est-ce que t'as le damier sur les côtés ou pas? Parce que là, je le vois pas. Hein, sur. Est-ce que t'as un damier sur les bords? Un damier, ce que t'appelles. Non, parce que normalement, avec la PS4 Pro, ça disparaît, ça. De quoi? Bah, sur le jeu de base, ouais. En fait, ce qui me gênait vraiment dans le jeu de base, c'est que sur les bords, ouais. En fait, t'avais un espèce de petit damier à la con, non, mais dégueulasse. Écoute, et là, franchement, je vois rien. Bah, moi, j'aperçois rien de. De oh, gênant. Putain, j'ai trop envie de le refaire en entier. Bon, par contre, c'est pas c'est ce que si je fais bien, mais. Ah, je sais pas. Mais tu viens de t'en faire tomber des boîtes de conserve. Ah, putain, c'est pas un chamboule tout. Non. Ah, t'as trouvé un truc, c'est quoi? Il faut que je fasse ça. C'est pour le ranger en fait, c'est avec le petit pad. Ça? Oui. Non, je sais pas. Je sais plus. Voilà, c'est quoi ça? Fabriqué à essence, mise. Ah bah vas-y, prends-le. Impossibilisé par ici. Oui, non, mais c'est pas grave. Mais va te faire foutre alors. Allez, donne des vêtements propres à cette petite. Ah, faut que tu trouves des vêtements propres. Dans la poubelle? Non, ça se trouve, c'est dans l'autre tiroir. Ah, peut-être, ouais. Ça, c'est peut-être par terre, non? Bah non, c'est ça me indiqué. Non, ça se trouve, ça mince. Hop, hop, voilà. Si tu cliques sur l'icône, là, c'est quoi ça? Non, ils disent juste que le briquet, tu peux pas l'utiliser, c'est ça? Ouais. Impossible. Ok, ok. Okay. Bon, bah, ça doit non, bah, cherche autre part. T'as pas une banette à linge? Elle ne va pas passer la nuit dans des habits sales. Oh, mais excuse-moi, attends, je cherche. Peut-être dans le frigo. Histoire de les rendre frais. Non, regardons. Non. Ah. Peut-être là. Ah, la buanderie! Ah, voilà! Ah, la buanderie doit être là, en bas. Là, ça doit être en bas, ouais, je pense. Vas-y. Ah oh là là, quand tu penses après le délire que c'est, le jeu. La buanderie, tu la vois pas de la même manière. Bon, déjà, il y a un truc. Là, c'était là où le flic il apparaissait, puis il se faisait découper la tête juste en deux grâce à une pelle. C'est très dangereux, une pelle. Il y a l'histoire de la caravane aussi. Bon, en tout cas, c'est vrai que moi j'y vais un peu à la voile again, mais c'est peut-être pas ce qu'il faut faire. Bah non, mais je pense que t'es bien là. Alors, la buanderie. Il y avait pas de tronçonneuse à l'époque, hein. Ça se trouve, c'est même pas là. Ah, bah si, le garage, je sais pas. Ah putain, non, je suis pas sûr que ce soit là. Parce que la buanderie, c'est comme un peu un. Une corde. Non, ça va pas me servir. Bah, prends-la quand même, on sait jamais. Cette corde a l'air solide. Ouais, je confirme. Ouais, tu vois. La buanderie, elle a pas l'air d'être là. Ah mince alors. Non, ça se trouve, une buanderie, c'est juste un petit placard de merde. Alors, putain, il serait où ça? Hé, frangin, la buanderie, elle est où? Mais t'habites ici pourtant. Bah, c'est ça. Bon, là, c'est le salon. Non, ça n'a rien à voir. La buanderie, elle doit se trouver normalement près de la cuisine. Je me souviens plus. Pourtant, je me suis baladé dans cette baraque, hein. Oui, bah t'es bien gentil, mais écoute, t'as qu'à en acheter la prochaine fois. Elle serait pas en haut, la buanderie. Putain. C'est quoi ça? Derrière la porte que t'as derrière toi, là. Tourne vers la droite. Celle-là? Ouais, celle-là. Ah, ça ressemble plus à une buanderie, ça. Repérer la fenêtre à l'étage, clouer les planches du contrôle. Bon, attends. Appeler un partir plus tard, cadeau d'anniversaire de Lucas, un outil électrique. Demandez à Zoé. Ah, c'est vrai qu'il est très bon chez l'électrique. Hein. C'est avec lui, Lucas, qu'on se tape un délire sur le 21. Ça. Et ouais. Qu'est-ce qu'il y a donc? Non, rien, que plus. Ah, là, ça a l'air. Ah, putain, merde. Ça se.
Une bombe artisanale. Je sais pas. Ça y est, c'est le début de la démence. C'est. Vêtements propres. Youhou. J'y les savais. Allez, vas-y, va couvrir la pupusse. Elle a froid. Elle est partie où la pupusse, par contre? Ah, c'est ça. Elle est peut-être partie à l'étage. À parce l'étage, que... oui. Ouais, je l'ai pas vue dans le coin. Là. Parce qu'il part de clouer les fenêtres, là. Et ouais. Et je sens que ça va commencer à chier. Crois-tu donc? C'est comme on peut pas courir là. On sait jamais. Premier étage. On va ouvrir par là. C'est la salle de bain, je pense pas qu'elle soit là. Et il parle de la fille, tu crois que ce serait Mia? Ah, je sais pas. Hein. Parce que dans la famille, j'essaye de me souvenir, mais. C'est pas là. C'est une sacrée baraque quand même. Mais c'est fou. Ah. Attendez, je peux la laver et lui donner des vêtements secs. Je vais au hangar à bateau, voir s'il est toujours moitié libéré. Oui, papa. Il a l'air gentil, hein. Mais qu'est-ce que ça devient une pure ordure? Mais oui, c'est Mia. Donc ils l'ont recueilli, tu vois. Okay, ouais. Je vais nettoyer ça. Il sent pour moi. Mm-hmm. Quoi? Oh. Tu penses que... Allumé. Ben vas-y. Ok. Oh, oh putain, j'aimerais pas être à ta place là. Papa, y a une panne de courant? Comment on peut pas trouver la poudre est tombée. Bon. Par contre, là, du coup, je sais pas trop où aller. Ben là, je peux rien te dire, hein. Je découvre avec toi. Mais parler de clouer les fenêtres là, ça m'aurait dit quelque chose. Non, c'est. Bon. Ah, et puis il y a tout qu'à sauter. Hein, là, franchement, il n'y a pas une pièce éclairée. Ouh, les boules. Honnêtement, je pense que toi-même, tu saurais pas ce que tu pourrais faire. Non, non, mais là. Là, vers la droite, là, ouais, tout droit. Ça se trouve, faut retourner en bas, là, j'en suis sûr. Un café. Hein. Ça se trouve, faut... Il doit accrocher quelque chose. Putain, ça se trouve, c'est la corde. Tu crois faudrait aller la rechercher? Parce que regarde, bah, en bas, corde. La corde, hein. Ça, c'est un signe. Je pense que je vais la rechoper en bas, là. Où est-ce que la gamine? Bah, c'est une bonne question. Ça se trouve, elle est dans la salle de bain. On explore le tout. Hein. Et ben non. C'est quoi ça? Putain, c'est en bas, t'as toute la famille qui est en bas. Puis là, surprise! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Tu vas crever comme hier. Non, pardon, c'est ça. La gueule écrasée par terre. C'était super. C'est du gogo, putain. On va la tourner à la buanderie. Oui. Enfin, à la cave. Bah oui. C'est tellement plus drôle. Il n'y a plus d'électricité, mais la porte marche là, celle du sous-sol. Je me mets quand même en retrait. Par contre, mets de l'huile. Mais comment on fait pour mettre de l'huile? Tu dis, non, mais ça grince, c'est pour ça. Hein. Ah, je pensais que tu parlais du briquet. Ça aurait pu. Non, parce que le briquet il rétrécit. Ah, la corde. Tiens, vas-y, t'avais raison. Prends la corde. Non, toujours l'air solide, tu vois. Reprends ton briquet, peut-être avec le petit pad sur la gauche, je sais pas.
Ouais, voilà, c'est bon. Ah, tu peux ouvrir la bagnole. Voiture, ça. Pas de questions, ça. Tu peux pas faire une virée. C'est ce truc. Putain, il y a autre chose à observer, putain. Tu peux me servir un petit peu. Si, si, si. Non, là, tu remontes, là. Bah oui, parce que je vois pas honnêtement. Non, non, bah redescends, je sais pas, je pense que t'as pas tout exploré en bas. Je sais, je suis salaud, mais. Putain, oh, c'est quoi ça? Non. Ah, ouais, t'es pas allé là. Non. Ah, bah en même temps, c'est bloqué. Et sur la gauche là. Devant la bagnole à gauche. Voilà, par là. Il y a un casier là au fond, il n'y a rien au casier. Putain. Mais joue à cache-cache. Connasse. Je travaille plus, je suis en week-end, le cache-cache c'est fini. Ouais, hein, c'est bon hein. C'est un... Bon Thomas, tu m'as fait perdre mon temps. Bah je suis désolé, hein. J'aurais cru, hein. Ça aurait pu. Bon, bah, barre-toi. C'est ce que je fais. Bah, c'est ça. Ça va, ça te crame pas les doigts? Bah, pour l'instant, écoute, ça va. Elle est passée par là. Ah, tiens. Oh, bah, qu'est-ce qui se passe? Attends, il y a quelqu'un par terre. Ou moi? Non, c'est le frangin. Eh, merde. Lucas? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, putain, j'ai perdu mon bras. Non, mais l'aide pas, c'est un barjo. Bon, j'ai rien fait, hein. Il nous a fait une partie de 21 qu'on n'a pas du tout apprécié tous les deux. Oh putain, j'entends une voix. Oh là là. C'est quoi ce bordel? Elle a assommé le frangin, après tu m'étonnes qu'elle soit aigrie. Ça se trouve, il y a une pièce là-bas, là. Mmh. Mmh. Tour dans la cuisine? Allez. Non. Ah. On va refermer le frigo. Ah oui, parce que... Bon. On s'en a déjà vu les listes de courses, là, pour ce... Derrière toi, t'as pas allé au fond, là. Ouais. Ah, ah ouais. Non, j'étais perdu. Putain, je... Yiii, pardon. Ah, la vache. Ouais, faut aller là-dessous. Ah, oh, c'est sûr. Ah, la saleté. Oh. Qu'est-ce que je... Tu peux pas aller en dessous complètement? Bah, si, je dis, passe par le trou, bah c'était obligé. Alors. Putain, c'est bien échappé là, ça. Hein. Servir. Ah, c'est fermé par là. Ouais. Approche-toi. Là, je pense que... Putain, il s'est échappé dehors. Ah, quand ils font le ménage, ils tassent sous la baraque, hein, t'as vu? Ah ouais, bah là, c'est des sacrés travaux, hein. Il faut suivre le fil là, ça se trouve. Hey. Oh, tu dois pouvoir monter. J'ai plus de briques. Rallume, rallume. Je suis pas rassuré avec toi, c'est un truc de fou. Je suis retourné. Ah, y a un petit mot. Y a un petit mot du. Qu'est-ce que j'ai fait avec mon briquet là? Je sais pas. Vas-y, appuie sur X. Réparer la fenêtre à l'étage. Bah, oui. Oui, non, mais ça, c'est les petits travaux de base. Hein. La manutention. Ah oui, ok, d'accord, j'ai compris. Ah, non, mais. En fait, je suis remonté directement à l'étage. Donc ça se trouve c'est l'ordre logique. Alors je pense hein. Alors la fenêtre à l'étage, ça se trouve c'est une des fenêtres qui est là.
tout cas, graphiquement, ça a l'air super propre. Ah, c'est classe, hein. Je suis en train de chercher. Très net, punaise. Je suis en train de chercher la fenêtre là qu'il faut réparer. Ah ouais, ah, y a du courant t'es à fond dans les travaux, quoi. Ouais, mais ça se trouve, c'est peut-être. Là, il y a du courant d'air là. Bonjour, je suis le charpentier. Il paraît qu'il y a des travaux. J'ai amené les planches, j'ai amené le marteau, j'ai amené les clous, mais je sais pas où je dois le faire. S'il vous plaît. Y a personne pour m'aider. S'il vous plaît. Ah, non, parce que j'ai un emploi du temps très chargé. J'ai pas que ça à faire, messieurs, dames. Hein, j'ai madame Huguette a aidé tout à l'heure. Mais tu reviens en arrière, là, j'ai l'impression. Bah ouais, parce que. Ah putain, mais il me fuite la fenêtre. Ah, c'est pas bon ça, hein, pour l'humidité, pour les murs. Putain, mais c'est ça, mais je. Aïe. Ça sent la moisissure, hein. Et je veux bien clouer, mais. Mais t'as pas de clous. Putain, c'est où que j'ai vu les clous? Rentre dans les clous. Ouais. Je sais pas, ouais, t'es pas allé par là. Non, putain, je retourne. Putain, ça se trouve. Putain, ça. Ah, je sais pas, on va à l'étage. Putain, si. Je sais plus dans quel tiroir là. Ouais, tu veux pas monter les escaliers? Mais non, ça se trouve. Parce que la cuisine, t'y es déjà allé. Ça se trouve, il y a des clous là-dedans, là, dans l'autre tiroir. Il fait des clous. Ah, c'est quoi ça? Crochet. Crochet. On aime crochet. Ouais. J'ai envie de blesser quelqu'un. Ah, bon. Elle veut pas prendre? Va te faire enculer. Ah, tu utilises un crochet, ça sert à rien, putain. Ça se trouve, j'ai utilisé l'heure qu'il fallait pas. Bon, on va monter, hein. T'as pas envie de te blesser, mais t'as peut-être envie de blesser quelqu'un avec, hein. Et voilà. Hein? Parce que s'il y a danger. Oh. Déconnez pas, quoi. Putain, je suis con, blessé là. Ouais. Oh. Oh, hop. Il y a de la lumière. Putain, mais c'est moi, je me croyais. Hop. Putain. Tu peux plus l'allumer? Ah, j'en étais sûr. Bah, va vers la lumière. Oui, oui. Des fois, c'est pas. Oh, elle est là. Je fais quoi? J'allume. Bah, dis-lui bonjour. L'autre, il ferme la porte. Hein, j'ai rien à foutre, je me barre. Zoé, viens voir. Putain, c'est quoi ça? Ah, c'est la maman qui a pété un plomb. Putain, le père, il a l'air d'être au courant en plus. Elle va chercher la corde. En bas. Tu peux pas l'allumer? Non, je peux pas. À la vache! Bah, ça doit être le bon chemin à descendre. T'es dans l'escalier là? Oh, tiens, Dieu! Oui, si, c'est bon, t'es dans l'escalier, vas-y. Va en bas. Allumez le briquet, s'il vous plaît. Bah, il y a plus de gaz. Bah, tu vois, t'avais raison, fallait chercher du gaz. Ah, c'est bon, là, t'es bon. Ouais. Continue à descendre. Après, faut que je remonte. Vas-y, appuie sur le bouton. Bah, il se passe que maman, elle va pas bien. Maman a chopé une vilaine gastro. Oh, je pense au minimum. Hein. La corde, elle est là? Oui, elle est toujours là. Vas-y, chope la corde. Ah, putain, ça fait 3 fois qu'on passe devant. Maintenant, on peut la prendre, bande de cul. Allez, on remonte. Vas-y, fais la même dans l'autre sens. Elle peut pas courir? Il me semblait que si, mais là, elle doit être tétanisée par la peur. Je sais pas. Vas-y, l'escalier, là, juste en face. Voilà, pile, poil. Suis les borborismes. Voilà,
Si, c'est ça, au fond à droite là. Par contre, j'arrive, papa. Oh là. Oui, non, c'est, t'as raison, c'est la gastro. Hein. La, la corde, elle est. Oh merde, lui aussi. Je suis réveillé pour ça. Oui, je suis réveillé. Elle a vu que je chasse. Wow! Tu vas pas aller se voir après? On peut pas faire ça. Qu'est-ce que tu parles? T'as la nouvelle sœur. Putain, je demande du corps, je me trouve à porter du corps. Bah, c'est ce qu'on a fait. Non, non, je vois pas du tout. Ah, je suis arrivé trop tard. Ah, c'est le champion du bon pif, hein, le pater. Bon, je vais mourir. Oh la vache. Ah oui, d'accord. Voilà, famille de vache. Ah, je suis plus en vert. Eh non, ouais, bah vas-y, C'est que c'est la fin, à mon avis. Ouais, je pense. Ah non, ça veut dire que t'as raté, les enculés. Ah la vacherie! Alors, sensation? C'est bon. Ouais, ouais, ça devait être. Bah, c'est vrai qu'au début, tu t'écoutes, toi, tu sais. On avait pigé la corde et tout, mais je pense qu'on n'a pas été dans la. Ah ouais, je sais pas, ou alors il y avait un bouton pour courir, je sais plus. Ouais, ouais. Bah, je pense qu'il y a un bouton pour courir. Ouais, ouais. Parce que c'est vrai que. Ah, en tout cas, ambiance topissime, j'avoue, respect. Oh, j'ai kiffé. Mais je trouve que c'est vrai que par rapport aux autres, je m'en suis vachement plus sorti, tu vois. Ouais, plus ouais, dans l'observation. Vachement bien observé et tout, c'était nickel. Même à un moment donné, tu t'es orienté. Moi, j'étais limite paumé. Royal. Excellent. Bon, petit verre de Sky. Oh, bah voilà.